dritte heute dritte reihenfolge von meinem kinderbuch was die erwachsenen auch mögen mit dem titel jonas steht nicht mehr auf das ist eine, eine gute idee für ein geschenk für dein kind ne? weihnachtsgeschenk und wenn du wenn du so ungeduldig geworden bist und äh, nicht warten kannst dann bestell das Buch. Du brauchst lediglich äh, zu meiner Webseite zu gehen, dann kannst du das Buch bestellen. es ist auch nicht teuer. Bilingual ist nur, ich glaube, das kostet nur 14,80 Euro. Ja, <laughs> so. Und übrigens, wenn du äh, abonnierst und so und kommentierst und so, dann freue ich mich sehr. Äh. So. Zur Erinnerung, Jonas hat eines Tages, eines Morgens beschlossen, dass er nie wieder aufstehen will und nie wieder in die Schule gehen will. Der Opa kommt und der Opa ist ein kluger Kopf und er erfährt, dass Jonas nicht aufstehen und nie wieder in die Schule gehen will, weil er Angst hat und zwar seit dem Tod von Oskar. Oskar war der Hund von Jonas und ohne, ohne Hund, ohne Oskar hat hat Jonas Angst. So, und jetzt ist der Opa allein mit dem Jonas und er soll jetzt die Schule anrufen, um zu sagen, dass Jonas heute nicht in die Schule geht. Also, äh, also ich lese auf Französisch und dann hast du äh, die äh, deutsche Version in dem Flipchart da hinten. So. <laughs> also, der Opa bon papa, compose Le numéro de l'école sur le téléphone sans fil. C'est Mme Beckdur, la secrétaire, qui répond. Mme Beckdur parle très fort, comme si elle n'avait pas compris que ce n'est pas la peine de hurler dans le téléphone, parce que justement, le téléphone, c'est pour pouvoir parler normalement avec quelqu'un qui est très loin. Alors elle dit, elle hurle. Et quand la Beckdur, l'appareil Bon papa éloigne très vite le téléphone de son oreille, comme si le téléphone l'avait piqué. Bonjour, madame Beckdure, dit bon papa très poliment et sans hurler. Mon nom est Engelskind, je suis le grand père de Jonas Muller. »« Bonjour, monsieur Engelskind, hurle madame Becdure. Euh, madame Beckdur J'appelle pour vous dire que mon petit fils, Jonas, reste à la maison aujourd'hui. Nous avons des choses importantes à nous dire. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Euh, ah, bon euh, monsieur Engelskind, Jonas, bah, il, alors il reste à la maison euh, parce que vous, vous avez quelque chose d'important à lui dire? C'est ça, madame Beckdure. vous avez parfaitement entendu, répond mon papa avec un grand sourire de travers. Et bien que madame Becdure ne voit pas son sourire mais mais, mais, euh, monsieur, mais monsieur engelskind mais, mais, mais euh, alors c'est mais alors c'est vraiment important très important madame Becdure. le coup de téléphone a l'air de plaire à bon papa parce que il commence à rire doucement oui, oui, mais non, mais parce que, euh, monsieur Engelskind, euh, je, veux, je, je veux dire, je ne je peux pas, euh, pas l'écrire comme ça. Il faudrait qu'il ait, qu ait une attestation d'un médecin, hein, hein euh, monsieur Engelskind Parce que sinon, euh, l'administration va pas être d'accord, hein. ça peut entraîner une amende pour les parents, hein Monsieur Engelskind, euh, vous êtes toujours à l'appareil Bon, papa accompagne chaque phrase de madame Bec dur d'un mouvement de la tête, comme s'il faisait oui comme ça. En même temps, il fait de son mieux pour ne pas rire. Il se mord une lèvre. Après, il promène sa langue à l'intérieur de la bouche d'une joue à l'autre. Comme et comme ça, il peut rester encore un peu sérieux. Oui, oui, madame Becdure. Oh, la réception est mauvaise, dit Bon papa. Alors euh, alors j'attends l'attestation du docteur hurle madame Becdure. Euh, non, répond bon papa. Dites simplement à Madame Parentardif que Jonas va bien et qu'il faut qu'il parle de quelque chose de très important avec son grand-père. Et que pour le moment, l'école, eh ben, on s'en tape. Ah, je, 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 il, faut, il faut que je dise, vous voulez que je dise à Madame Parentardif que, que, que Jonas et vous. Euh... C'est ça, Madame Becdur en ce moment. L'école, eh bien, on s'en bat les flancs, dit bon papa. Mais mais, mais, mais Monsieur Ingelskins, je ne sais pas si, je ne sais pas, vous, vous voulez vraiment que. que mais quand même, Jonas ne peux pas. Et d'un seul coup, bon papa hurle dans le téléphone et dit, Madame Bec dur Oh, Madame Bec dur Et il rapproche le téléphone de sa bouche, il le met très près de sa bouche, et il hurle comme ça. Madame Bec dur je vous entends de plus en plus mal. Madame Bec dur vous m'entendez et il raccroche, il appuie sur la touche pour faire cesser la communication. Et en même temps, il éclate de rire. Jonas se met à rigoler aussi. Quand ils se sont calmés, Jonas demande Pourquoi tu répètes tout le temps Madame Bec-Dur Elle sait bien comment elle s'appelle, et elle sait que tu lui téléphones. <laughs> C'est elle qui a commencé, répond mon papa, c'est elle qui a commencé avec ces Monsieur Engelskind, Monsieur Engelskind, Monsieur Engelskind par ci, Monsieur Engelskind par là. Mais pourquoi elle fait ça? Moi, elle m'appelle juste Jonas, et seulement quand elle veut me gronder. Vous voyez, les, les adultes croient que les autres adultes veulent absolument entendre tout le temps répéter leur nom. Et Jonas s'écrie. Alors moi, ça m'énerverait. Bonjour, monsieur Muller. Hein, Ça va, monsieur Muller? Bien dormi, monsieur Muller. Qu'est ce que t'as mangé au petit déjeuner, monsieur Muller? Oui, tu as tout à fait raison, c'est complètement idiot et ridicule. Dis donc. Est ce que tu as peur de cette madame Beckdur? Oh. Oui, bon papa. Et maintenant, là, tu as toujours peur d'elle? Jonas sourit. Ben non. Tu peux me dire pourquoi? Elle est bête. Bon papa s'allonge de nouveau sur le lit de Jonas. Il dépose le téléphone par terre. Je trouve aussi, elle est bête. Tu vois, mon grand, quand on a vu les côtés ridicules de quelqu'un, ça devient difficile d'avoir peur de lui. En ce qui te concerne, ça veut dire que... Pour que tu deviennes le chef de ta peur, tu vois. On a la possibilité de se moquer de tous ceux dont tu as peur. Ça fonctionne bien. C'est amusant, euh, comme tu as pu voir. Peut-être que ce n'est pas, comment dire, pas très élégant, pas très gentil. Parce que, en faisant ça, on se met au-dessus des autres. Et ça, c'est pas beau. D'un autre côté, il y a des gens qui sont tellement ridicules qu'on ne peut pas faire autrement. Mais, L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle peut durer très longtemps parce que tu connais déjà des tas de gens et en plus, euh, tout le monde ne montre pas tout de suite à quel point il peut être ridicule. Cette Madame Bec dure, elle nous rend la tâche facile. Mais la plupart des gens sont très bons pour cacher leur côté ridicule. On pourrait même presque dire qu'une grande partie. Des choses qu'ils font ont justement ce but-là. Et c'est pour ça qu'il faut trouver. il faut plutôt qu'on trouve une autre méthode, une méthode plus, plus radicale. Jonas demande Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire alors Aucune idée, mon grand. Laisse-moi réfléchir. Et après, j'aurais plus peur du tout Mon Dieu, non Ce serait une catastrophe tu serais insupportable. Mais, mais au moins, euh, je serais comme Tim. Bien sûr que non, tu seras comme Jonas, mais sans peur superflue. Papa, ça veut dire quoi Superflu Ça veut dire en trop, tu vois, qui ne servent à rien. Bon papa, bon papa, comment tu sais tout ça c'est parce que je suis comme tout le monde. Il suffit que je regarde comment je suis et alors je sais automatiquement comment sont les autres. C'est aussi facile que ça Oui. So das war das Ende des der dritten Folge aus meinem Buch. Jonas steht nicht mehr auf au français Jonas Ne se lève plus und ich freue mich total, wenn du abonnierst. Vor allem, wenn du nichts verpassen willst, musst du abonnieren. Wenn du etwas verpassen möchtest, dann tu, was du willst. Und jetzt sind wir fast bei 10 Minuten, nur noch 2 zwei zwei Sekunden. Jetzt kann ich aufhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.